Ouais, t'inquiète. Ouais, ciao, ouais. Ah, ciao, Picsou. Donc, à côté de ce tournoi, donc se dérouler un tournoi amateur où n'importe qui pouvait s'inscrire pour se préparer donc à gagner des points pour la prochaine saison du 45, pour la deuxième saison du 45% ODF. Et donc, nous assistons maintenant à la finale du bracket amateur qui oppose donc Erwan et Jérém, donc deux joueurs nantais, finale nantaise, ça fait plaisir. Deux joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, vous pouvez y aller. Hein. Ouais, vous pouvez y aller. Hein. Et donc, apparemment, pas de salle de face de Sage Vanille, ils ont l'air de. Ouais, ils y vont à la one again. Bon, voilà, et, ils ont l'habitude de jouer ensemble, du coup, je pense que c'est un. Je sais pas. Parce qu'ils voulaient pas trop s'embêter avec les terrains. Ouais, sans. Sans doute. Parfait. Alors, pour le moment, ça commence fort. Le Falco. Je suppose que le Falco est Erwan. Ouais, le Falco est Erwan et Jérém, c'est donc le Falcon. Oh là là, zéro to death dès le début, ça annonce la couleur. Erwan est vraiment, me paraît, en forme. Oh là là. Sans doute là, des petits pilars. Jérém a mis son premier coup maintenant, faut y aller. Voilà, maintenant faut pas le lâcher. Match-up assez even, enfin. Captain Falcon, c'est un. Comment dire. C'est une pâture. Oh là 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 là, c'est violent, ça fait mal. Erwan, il me paraît complètement normal. Erwan est complètement dans son. Peut-être que Jérém a besoin de se chauffer un petit peu, je ne sais pas. Sans doute, peut-être c'est un match d'échauffement, après je ne sais pas, mais j'en doute parce que là, oh là là, on a quand même bien le stomp qui est. Il y a des très beaux mouvements de la part des deux joueurs. Racket amateur, pas tant que ça, moi j'ai envie de dire. Hein. Je pense qu'on peut s'attendre à avoir peut-être des nouvelles têtes pour le prochain. Pour le prochain top 8. Pour le prochain top 8, sans doute. Et une meilleure performance de mon côté. Et donc, ouais, oh là là, Erwan qui enchaîne complètement Jérém. Mais voilà, Jérém qui sait pas faire non plus. Il dit attends, je suis Falcon quand même, merde. Laisse-moi montrer mes moves. Et... Oh l'aspirateur! L'aspirateur qui a tué. C'était vraiment bien joué, je m'y attendais absolument pas. Mais c'était une bonne réponse. Ah, mais il a réceptionné, il a aspiré entre ses jambes et il a serré. Son entrejambe. Son entrejambe. Falcon serait-il asexué? Nous le saurons dans la prochaine saison du 44% tout def. Ah là là, allez, retour sur le match. Donc, du coup, là pour l'instant, Falco qui a 3 vies, 0%. J'ai bien. Ah oui, ça y est, 2 vies d'avant, 0%. Là, Jérém intéresse très bien un petit peu s'il veut pas perdre ce premier match. Bon, après, c'est que le premier, mais ce serait quand même dommage de laisser tomber dès le début quoi. Oh, le premier grab qui passe. Le deuxième, qui tente la phase de tech chase. Oh! C'était ouais, bien suivi, mais. Bien joué, oui. Il aurait pu l'avoir s'il avait mis son bouclier. Mm. Mais à la place, il est tombé. Bah, c'est les malheurs de la... du jeu. Hein, voilà, c'est. Shit happens, comme on dit. Ouais, shit happens, exactement. Oh, oh là là. Très bien joué, le petit web dash en arrière. C'est grave, ils sont vraiment pas mal. Ouais, maintenant. Après, peut-être qu'il se passe. Oh, quel dommage. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'était que ça? Non, je refuse un. On a dit. Non, enfin. Merde quoi! Donc c'est. Ça se rejoue sur champ de bataille. Ça se rejoue sur saut de bataille. Bah, globalement pour les deux persos, c'est un match, enfin ouais, c'est un sage assez even. Oh, et Erwan qui continue à. Qui est complètement dans son set, dirais-je. Ah, voilà Falcon qui commence un peu à remonter, qui commence à mettre quelques aériales. Oh là là, ouais, cet OR là, shield drop, je crois bien. Je sais pas, ça se passe trop vite, j'ai quand même ce smash avant qui s'est calé et qui tue. Ouais, comment pour appeler ça la pirouette, non, je ne sais pas. La, c'est la pirouette. La pirouette, cacahuète, bref. Bon, est-ce que ça va? Non, ah, le side B qui se fait punir. C'est hyper agressif des deux côtés, je vois pas de shield. Les gâchettes n'existent pas. Ils veulent pas attendre, ils veulent tuer, tu vois, ils veulent mettre des coups. Oh, cette réception. Je l'ai pas vu arriver celui-là. Mais là, c'est le genou. Là, c'est d'abord l'aspirateur, c'est vas-y, viens vers moi et je te recrache vers le haut. Là, c'était non, je veux pas de toi. Vous n'êtes pas inscrit sur le registre, monsieur. Le side B. Ah, ce mécoté qui aurait pu passer mine de rien, mais qui a pas une priorité extra non plus. Ouais, c'est vrai. Oh là là, lui il aurait pu être beau aussi. Match beaucoup plus serré que tout à l'heure, c'est plaisant à voir. Ouais. Jérém est un peu plus dans le match. Ouais, et qui peut toujours caser un petit combo. Surtout que techniquement, les deux ont les moyens de faire des trucs très sympas. On a eu l'occasion de le voir. Après, je ne sais pas si c'est une histoire de stress ou quoi, mais bon, ça arrive toujours. Désolé, je te coupe, mais c'est pas. Jérém il a perdu, donc c'est Erwan qui a 1. Ah oui, autant pour moi, je me suis trompé dans les scores.
Non, je n'essaie pas de foutre en l'air le bracket. Voilà, c'est mieux comme ça. Faut rappeler, c'est la finale amateur, du coup. Ouais, je rappelle que c'est la finale amateur, donc ce tournoi avait lieu en même temps que l'aspirateur. en même temps que l'aspirateur. En même temps que le... Ouh, on a senti le nid, là, qui... Ah. Oh là là, le oh, dommage. Ah là, la sexiness là. Je crois qu'en fait ce qui gêne un petit peu Jérôme dans son jeu, c'est que il y a quelque chose en tournant son entrejambe qui l'empêche de regarder l'écran, du coup il ne voit pas trop ce qu'il fait. En même temps c'est comme ça qu'on joue Falcon hein, quelque part. C'est... Oh, magnifique réception. Oh là là, c'était vraiment magnifique. Moonwalk, il a vu que ça allait être trop court, donc il a ressauté pour mettre le back air, c'était vraiment super. Ouais, c'est... Ah non, c'était très malin ça. Shield, est-ce que là-bas, il a le temps de mettre le shield. Ouh, là par contre, 124%. Est-ce qu'il va réussir à revenir? Oui, ça va. Il y a lieu de s'inquiéter, mais là, je pense qu'une petite carotte, il y a moyen de monter. Ouais, ouais, genre comme ça, tu vois, genre. Ah, l'esquive là, il s'attendait à... Ouais, il s'était pris tout à l'heure, il a dit pas deux fois, tu vois. Pas deux fois, ouais. Premier grappe qui passe. Oh, ça le suit, ça le. Oh, dommage. C'est dommage. Allez pour le genou, mais c'était peut-être un peu trop gros. Ouais, c'était peut-être un petit peu trop précoce, dirais-je même. Oh là là! Oh là, mais ça le lâche pas! Ça. Ah oui, ça. Oh! Est-ce qu'il va le mettre le jeu? Non, ce n'est pas. Heureusement, ce n'est pas Fox! Vatail Fox! Oh là là! Et ouf! La grosse dé intérieure pour se dire: oh non, je veux remonter sur le terrain, tu vois! Rowan a réussi à l'achever, ça y est! Oh le nid! Oh là là, le match est super serré! Ah là, c'est plaisant à voir! Grande finale, je précise! Ah là, la réception, je m'y attendais pas, n'empêche. Hein. Généralement, Falco a une meilleure priorité sur la note Falcon si tu le time mal. Et là, c'est. Oh! Est-ce que ça va se solder? Ah non, trop loin, dommage. Dommage, ça aurait pu être sympa, mais. Oh là là, le deuxième qui part. Oh, le faucon point. Il a mangé le cerveau. Littéralement, quoi. Il était dans sa tête. Est-ce que champ de bataille encore une fois? Je sais pas, attends, qu'est-ce que ça va faire? Non, ça va mettre les items. Ah non, ça va. Ah non, d'accord. Ah, ça joue en mode random. C'est YOLO quoi. Ok, les gars, vous avez changé un truc. Attendez, les gars, retournez dans les options s'il vous plaît. Vous avez changé un truc. Dommage ratio. Ah ouais, et ça tente de foutre en l'air le tournant en plus. Après, vous jouez comme vous voulez. Hein, mais... Ouais, si vous voulez, la prochaine fois on met en stamina mode sur une giant mêlée que sur le petit rocher de Donkey Kong et ouais, pas de soucis. Et donc c'est parti sur Dreamland. Je pense que ça avantage beaucoup Falcon ce stage parce que Falco, le terrain est grand, il revient pas de très loin. Ouais, il revient pas de très loin et surtout les plateformes, ça bloque un petit peu le jeu de laser de Falco. Ouais, ça l'oblige à changer de niveau, tu vois. Et du coup, pendant ce laps de temps où Falco change de niveau sur le terrain. Oh, le Sony, pardon, excusez-moi. dommage, Jérôme, je n'en reviens pas. Mais pendant ce changement de niveau, donc Falcon a la vitesse nécessaire pour se rapprocher petit à petit en passant par en haut ou en bas, enfin vraiment pour en fin temps, tu vois, et se rapprocher du Falco petit à petit pour l'enchaîner. Ouais, je vois. Ce qui fait que Falcon est un personnage très subtil et très. Très raffiné. Et très raffiné. Moi, fanboy, absolument pas, non. Pas du tout. Surtout le rose là, non, il est dégueulasse. Hein. Enfin bref, tout ça pour... En rase-mode quoi, c'est... Le clash. Le mec... Quel drôle de clash. Falcon jardinier quoi, le mec il a voulu cueillir la petite plante, au passage il y a un Falco dedans, il a mis son genou pour essayer de cueillir la... Là par contre... On paraît pas très loin d'avoir le kill, est-ce que Falcon va pouvoir revenir? Ça y est. Ah oui. Ah non, ouais. Je me rapproche du micro. Ouais, mais j'entends pas, mais Jérémy, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, mais c'est dommage parce que du coup, il y a plus de gens. Ah, dommage, l'edge guard. Alors, la prochaine fois, on essaiera de prévoir deux micros. Enfin, je m'attendais pas à. Ouais, d'habitude, je commente pas trop, faut dire. Mais... Ouais, c'est mieux parce qu'au moins on peut discuter tout ça. Ouais, c'est plus cool quand il y a un petit échange. Je pense que c'est plus intéressant que. Oui, bon, ouais, une roulade. Parce que voilà, on peut débattre sur certains trucs et tout. Puis surtout, il y en a un qui peut parler pendant que l'autre pense au souffle ou ça save, tu vois. c'est vrai, c'est pas trop mal.
Allez, retour sur le match là du coup. Ouais. Donc Falco qui a quand même une bonne vie d'avant, je pense. Ouais, Falcon, là, s'il arrive à mettre un genou, il peut rattraper ça très vite. Mmh, ouais, même sur ce terrain, un genou, ça peut quand même envoyer valser assez loin. C'est... Oh là là, peut-être une tentative d'être viable. Il va le bouffer mentalement encore. Ah, dommage. Ah là, ça se joue plus au Space. J'ai vu le point frôler le bec du Falco. Ouais, voilà, moi j'ai senti Falco loucher devant, tu vois. En mode... voilà. Oh, l'Ana qui ne passe pas, qui se fait punir par un Ada, tu vois. Le Falcon, c'est un peu trop prévisible, je pense qu'il fait des aériales un peu trop dans le vide. Du coup, il s'est facilement punir par des stompes de Falcon. De Falcon. Ouais. Falco. Ah, le père qui passe. Et l'ennemi, non. Ouais. Le side B qui passe, et le stomp. L'escape. Ouais, ça, voilà, le père. C'est le seul truc qui passait. Et est-ce qu'il revient? Non, ouais, non, ça suffit. Ouais. Même en side B, même à la verticale, il aurait pas pu revenir. Maintenant, faut jouer vigilant. Faut pas se prendre de smash, voilà. On punit comme ça un stomp, et derrière, on suit. Voilà. De toute façon, c'est un peu ça le match-up contre un Species. Ah oui, ça c'est la meilleure des réponses. Ouais, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense, et c'était ouais, la plus optimale. Ah, dommage, Falco qui était un peu loin à la mi-temps. Là, et 2-2. Ah, dommage. On est peut-être à une roulade, mais. Je pense, ouais, ou peut-être un peu trop de temps de réaction, je ne sais pas. Mais l'esprit y était en tout cas, et j'apprécie beaucoup. On revient. Ah, oh, magnifique clé de chantier. Ouais, mais ça continue à suivre. Falcon qui revient avec son avantage là. Et non, le backer qui s'est chopé. Ou alors il était beaucoup trop tôt. Ouais, beaucoup trop tôt. Ou alors, enfin, peut-être qu'il a pas pensé à passer derrière le Falco, je sais pas. Peut-être. Ouais, Falcon qui revient. Vous avez raison, le shield c'est pour les PD de toute façon. Ouh, c'est dangereux, ça c'est dangereux. Oh, oh là là, la Willy. La Willy. Allez, maintenant faut que Falcon. Oui, genre il comme. Qu'il attrape sa chance. Ouais, bah. Qu'il attrape surtout l'autre, le pigeon en face et. Ouh. Le faucon pied. Et. Oh. Oh putain, j'ai vu le talon se poser, mais j'ai senti la crampe, tu vois, qui a empêché de remonter. À 2-0 pour Erwan, donc. 2-1, autant pour moi. Est-ce que c'est le dernier match? Je sais pas qui vient des losers en fait. Mais... Non, je pense que c'est la grande finale, hein. Si quelqu'un peut confirmer. Non, mais tu sais, s'il y a deux. Les losers gagnent la première fois la grande finale. Ah oui. Ah ouais. Ah bah, je sais pas du tout, vu que le bracket amateur, on s'en est pas trop occupé. Oh là là. Ah, ça commence par deux. Non, dommage. Ah, il va pas le lâcher là. Là, on sent qu'il y est, tu vois, il est en confiance là. 34 carats sur mon jean, c'est parfait. Il grignote le bouclier de fou. Voilà. Oh voilà. Oh ouais, non. Ah, le biker. Le grab dans le dos là, je sais pas, ça met mal le petit coup dans le jean. Ouais. Oh, ça take chase au side B. Oh là. Non, dommage. Ouais. Oh, j'ai cru que ce genou allait se loger. Ouais, moi aussi, il allait se loger dans son nid. Le grab. Ça n'a aucun sens. Un peu trop tôt malheureusement. Et oh. Oh, la petite pirouette, c'est oh. Frôler le stage. Oh là là, il a frôlé, on a senti que son dos a râpé contre le stage. Oh, ça c'était beau, c'est ça qu'on veut voir. C'était fluide, c'était pile ce qu'il fallait. T'es sûr que c'est le bracket amateur ça? Non, j'ai un doute là en fait. Vas-y, j'ai un petit doute parce que je pense que ça aurait pu être dans le top 8. Ouais, c'est, on va dire c'est le top 8 bonus, voilà. Et match de transition. C'est ça, match de transition. Ouais. Non, dommage. Le smash côté qui passe. Bon bah, tout seul tour. Ouais, on va peut-être avoir un nid défloré là. Ouais, non. Oh, le backer parfait, c'est bien se passer. Oh, ou le stomp qui a frôlé. Qui a failli, mais il a fait une roulade au lieu de. Ouais, qui a frôlé les plumes là. Ah ouais, Falco il a eu chaud là. Il a perdu quelques plumes. Le grab, le side B, non. Oh le stomp. Oh là là, dommage. Oh oui, il rattrape. Ouais. C'était une feinte, it's a trap. Oh, le nid qui ne passe pas, dommage. C'est dangereux, ça c'est dangereux. Ouais, il revient, non mais voilà, ça revient tranquille. Ah, le petit laser qui va poursuivre pendant la roulade. Le stomp qui ne passe pas là pour le moment. Voilà, ça cherche, ça se pèse un petit peu. Ça attend l'erreur. La Falcon qui était un petit peu en position de faiblesse. Erwan il veut remonter, il veut pas prendre de coups, il veut le tuer. Ouais, il met des petits coups petit à petit, il attend l'erreur. Et... Oh, Oh là là, quelle agressivité, quel truand. Ah, dommage. Mais faut que j'arrête de dire des conneries, ça va être concentré sinon. Voilà. Ah, là voilà, tout ça. Oh! Je laisse se remonter. J'avais juste appuyé sur R, c'est dommage. Ouais, allez, pour le coup. Fini. Ça arrive. Ah, oh, qui voulait dire qu'il avait pas besoin de ça pour gagner? Voilà, c'est ça.
Oh la gracieuse. Il y aurait le genou derrière. Ouais, il y aurait un petit genou là, un petit. Le faux pompier, non? Ah non, il est remonté. Là, cette fois-ci, par contre. Là, c'était assez étrange. Ouais, là, il était dessus. Il a fait un petit retour dans l'espace-temps et ça l'a bloqué. Oh, ce smash avant qui passe avant le stomp. Ah, le stomp qui passe. Est-ce que ça backer. Le backer. Pour l'instant, il est bien. Le laser. Ah là pour le moment, voilà, c'est relativement sérieux. Ouais. Il avait fait un moonwalk. Petit moonwalk. Oh, le nid des fourrés. Là, tu vois, c'est Falcon, il a eu la fourrée derrière, il a dit c'est chez moi par ici. Il a pensé à sa terre natale et il a mis un nid en pensant très fort à sa forêt. Le nid des fourrés. Il y en a un qui a failli se le jouer aussi. Ah, il choisit le 3ème saut. Bon, au moins, il est revenu sur le terrain. C'est pas plus mal. Parce qu'un Falcon, si c'est à l'occasion de revenir le plus haut possible, il faut vraiment que ça saisisse cette occasion. Après, tu peux te faire réceptionner face. Il est passé derrière lui, genre je marche tranquillement et bim. Par derrière. Par derrière. Voilà, c'est peut-être la dernière stop du tournoi en fait. Du bracket amateur, je ne sais pas en fait. Ça dépend des losers. Tout va dépendre de. Pourquoi pas. Je pense que Jérém était parti dans une espèce de symphonie, qu'il lisait une partition qu'il a trop lue en fait. Pour l'instant, c'est Erwan qui dit que main sur Sardinia Harvey. Ah, il a loupé le smash. Dommage. Est-ce qu'il est là? Oh, le son! Oh, oui! Oh, magnifique! Oh my god! Oh là là! Ce bracket amateur, mon gars! Oh là là, ce genou qui s'est calé, mais juste avant qu'il atterrisse sur le stage. Ouais, mais totalement quoi, c'est. Oh! Le Falcon Rose, c'est un big up. Oh, Yoshi Story. L'histoire ça devrait plaire au Falcon. L'histoire de Yoshi. Oh! Je pose directement, pas de temps à perdre. Voilà, directement. Quel coup marre, j'y vais. Allez, ça met. Oh, il lui a bouffé le cerveau. Oh là là, j'en ai perdu les lunettes là, tu sais quoi. Oh la get up attack, ça c'est du 2000 XX au moins. Oh, oui. Le petit ledge cancel, je pense qu'il s'attendait pas. C'était bien joué ce smash, bien joué. Un peu de spacing avec le différent, parfait. Oh là là. Voilà. Tu vas l'avoir. Ouais, là, le petit backer, tu vois. Le deuxième backer. C'était bien pensé, ouais. Bien surprenant. Et le smash qui passe. Ouais, qui punit le Falcon qui essaie de remonter. La gracieuse qui passe. Oh le backer. Ah, dommage. Je sais pas pour toi, mais à chaque fois que je vois un nid qui sort dans ce match, je m'y attends jamais en fait. Ouais, mais quand même, moi je me suis dit, il va pas sentir ça un an et pourtant si. Ouais, oh mais voilà, putain! Il passe sur le. Dommage. C'est bien pensé. Enfin, franchement, il arrive vraiment à suivre sur les plateformes. Oh mon dieu! Dommage. En fait, c'est la grande finale. ce petit reversal, ce petit pivot là qui était assez smooth. Oh là là, mais ils essaient de nous refaire la même, tu vois, mais. Ça c'était bien monté, c'est une bonne réponse aussi. Le backyard, ça c'était vachement prévisible, dommage. Non, il revient pas. Randall il était de l'autre côté là, je crois. Je suis pas sûr. Mais Randall, c'est en fait dès que t'as 4 secondes, je crois qu'il apparaît et ça il revient. Non, je sais plus en fait, j'ai des conneries. Parce que j'ai jamais appris ça. Mais c'est que cet enchaînement de nid, quoi, il est dedans. Falco il répond à 4 secondes. Oh, et ça tue, ça y est, il est revenu dans le match. Voilà, c'est ça, c'est. Putain. Mais cette avalanche de nid, le mec il a tout gardé pour la fin en fait. Il s'est dit ouais, non, au début je vais pas en mettre. Et le mec il a dit allez, tu vois. Là il le lâche pas, est-ce que. Oh là c'est bon, il peut peut-être le tuer. Oh le nid, non. Oh le stomp, oh dommage. C'est bon, il l'a gravé. Alors qu'est-ce qu'il. Le petit F-tilt là pour faire genre. Le stomp, le side. Beaucoup trop tôt le side B, beaucoup trop tôt. Peut-être même trop de side B, ça devient un peu trop prévisible, je pense. Peut-être aussi. Voilà qui revient d'ici. Ah, c'est peut-être pas la meilleure direction. Belle réponse. The death from above. Oh le knee. Oh cette pression, mais. C'est très très belle remontée, ça quand même. Il y a 3-2 là, je ne sais pas. Qui c'est qui vient des losers ici? Jérém. Ok, donc deuxième set. Deuxième set. Ça promet comme match. On a une très belle remontée. Ouais, c'est cool, on va pouvoir crier un peu plus longtemps. On va pouvoir crier plus longtemps. Donc là, oui, voilà, il y a un reset de bracket, comme qui dirait Foster. Reset de bracket. Donc c'est parti sur Fontaine des Rêves. Attends, j'essaie de trouver le bon truc. Ah voilà, c'est mieux. Donc voilà, c'est parti. Ouh là, Erwan qui a. Qui commence sur ma sœur. Ah, il est vénère, Erwan. Parce que là, il est pas content là. Il est pas content d'avoir perdu ce. Je pense aussi. Oh, c'est 0 tout def. Oh là, ça tourne, c'est tout. Oh là,
Le grappin. Allez, oh là là. Sans gérer, mais à pas se laisser faire et à mettre quelques genoux. Ouais, c'est ça, allez. Oh là là, mais c'est quoi ça? Non, c'est bon, c'est bon, le grave est passé, ça arrête, couper Falcon dans son élan, tu vois. Mais voilà, c'est dès qu'il y en a un qui s'est chopé, tu vois, l'autre le lâche plus. Oh, non, 2000XX, on dira rien. Le petit up-tilt. Non, pas de Rona, si, c'est Rona, Lana, non. Le petit grave qui passe là. Ada. Non, là pour le moment, voilà, ça commence à jouer un petit peu plus safe. Là, ils ont compris que. Ça, c'est safe, là, je trouve. Contrairement à tout à l'heure, on a l'impression qu'ils vraiment se jetaient dessus. Ouais. Ah, là, ça commence un petit peu à se remettre sur la gueule. Et non, pas de quenelle. J'avais cru voir une quenelle, mais non. Et Non, c'est la plateforme du seum, tu vois. La plateforme du seum, mais totalement, mon gars. Là, deux stocks en faveur de. Oh, tu es avec un nana, pourquoi pas, ça se fait toujours, c'est à la mode aussi des fois. Oh, oh le nid. Non, pas de nid. Je pense qu'il a voulu jouer la sécurité, il a fait loi. Quelque part, il avait raison, je pense aussi. Peut-être que le nid aurait mis trop de temps, on n'aura pas la réponse. On le saura jamais, peut-être dans une autre dimension, dans un autre univers. Oh, j'y ai cru, Ah, c'était couillu ça. Le stomp. Ouais. Ah, là, Falco qui profite vraiment de cette vie. Oh, le nid. Il a réussi à glisser un nid par-dessus le laser. Enfin, j'ai envie de dire, c'était vraiment une vie très très rentable pour Falco qui a mis tout le stock et 72%. Oh la quenelle. Dommage. Oh, Sidebay qui passe mais qui a pas pu continuer vu qu'il s'est pris l'autre coup de Falco. Le petit F-tit. Ça met la pression. Oh là là. Le mec il a rien fait. Là, je dis, j'attends que tu retires ton shield. C'est bon, tu l'as plus. Bam. Comme ça. Il attendait cette occasion de mettre son smash. Et c'est ce qu'il faut faire. Ne rien faire, c'est faire quelque chose. Voilà. Allez, ça va. Voilà, c'est dangereux, ouais. Ouh, l'aspirateur du mauvais côté. Dommage, mauvais côté. Et là, il a vraiment aspiré de la poussière pour le coup. Ouais. Oh là, ça suit avec Lana. Oh là là, oui, c'est dangereux. Là, la gracieuse. Et oh, 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 il a retiré toute la peinture sur le côté du terrain là. Il s'est râpé sur le terrain là. Dommage. Oh, il y aurait une petite tech wall jump, tu vois là, ça aurait été. Imagine sur le pilier du bas, tech. Sur le pilier du bas, tech wall jump, je reviens. Oh, le genou, c'est la bonne réponse. Il y a quand même une avance solide pour Falco, mais ça peut vite se retourner. Un nid éoli, comme on dit, tu vois, ça peut toujours se jouer. Attends, je mets un coup là, je perds ma voix. Faut quand même qu'Erwan instaure son jeu là, parce que s'il perd sa vie là, ça va vraiment être très dur. Oh là là. Faut qu'il gratte, faut absolument. Voilà, c'est comme ça, gratter comme ça. Voilà, oh impose son style par la mes plumes, j'ai envie de dire, tu vois. Allez, oh le nid, non. Non, Side B qui se fait punir, qui est vachement prévisible, c'est pas la meilleure des approches. Ouais. Mais quand ça passe. Ça passe, ouais, c'est le. Comme ils disent, t'as des grands risques, mais t'as une bonne réponse. Voilà, oh pas, je vous fais pas l'anglais. Ah là, ça devient très tendu. Ça devient hyper intéressant. Erwan a quand même Falco a quand même un avantage bien solide avec cet avantage de pourcentage là. Là, s'il met un back air ou un smash avant, ça peut vite finir. Mais faut attention parce que là, par exemple, un petit combo du Falco, ça peut vite mener. Oh, dommage. C'est bien joué. C'était très bien joué. Erwan qui réimpose son style à nouveau, qui impose son style. Et ça va sur Pokéstar. Je crois qu'il n'est pas sorti du tournoi et que personne n'a penché à le prendre en fait, tout simplement. Ah, tout simplement, d'accord. Bon, bah, une prochaine fois peut-être. Ouais, une prochaine fois. Pourtant, c'est un terrain très, très intéressant. Oh voilà, Jérém qui réimpose son style. Oh là là, Erwan qui revient en force, qui fait des petits up-tilts. Oh là là! Oh! J'ai vu le saut! Mais qu'est-ce que. Est-ce qu'il va l'avoir? Non, dommage. Oh, le petit. Et le mec il se prend pour un karatéka, il fait des petits partout. Wata! Wata! Tu vois. Ah, j'aurais bien vu un petit nid. Oh le nid! Oh dommage! Ah, mais il avait vu qu'il roulait, c'est dommage. Là, il y a le bruit de viande qui lui est passé sous le nez, ça tu vois. Il peut-être payé de sa vie. Ouais, oh, ah non, même pas. Oh, dommage! En deux occasions comme ça, ça se sent. C'est un coup dans la virilité, ça, tu vois. Vas-y, le nid, voilà. Bon, au bout d'un moment, faut le mettre quand même. Ouais. Hein. Attention, là, ça peut revenir très rapidement. Voilà. Ça y est, c'est à nouveau dans voilà, un petit coup de balai classique. C'est là. Bon. Le moral n'a pas trop pris, c'est bon, il a gardé le moral. Ah, ça t'action. Oh, avec les petits webdash sur place, là, comme on les a. Oh, le sub. Oh là là. Oh, surtout qu'il était dedans, tu vois. Oh là là. Oh la vache. Oh, dommage. Ouais, pas le coup qui revient. Ça aurait pu être dangereux. C'était dangereux, mais ouais, c'était bien tenté. Oh oui! Oh là, ce brain! Ah, il lui a bouffé le cerveau. Ah, dommage.
Je kiffe ce terrain moi aussi avec Falcon parce que tu peux tellement t'amuser avec ces rebords et Bécoté cancel et même des... tu peux prendre de l'élan sur le côté gauche. Oh là là, cette tech, pression. Erwan il veut pas mourir, il dit c'est toi qui vas mourir. Oh, mais cette tech là, Tech, le mec il a fait genre. Oh, quel dommage. 2000XX. Oh là là. Ah, ça allez, faut arriver là. Faut pas prendre trop de dégâts, ça peut se faire, ouais, voir une seule. Attention. Heureusement que c'est pas un Fox, hein. Le grab, c'est bon, il a l'avantage, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ouais, la dash attack. Pas la meilleure des options, mais ça peut ouvrir. Ouais, pourquoi pas, ouais, ça c'était bien pensé. Oh, la dame! Oh, dommage! Un kill juste. Oh! Oh là là! Oh, Douglas! Ah, dommage. Sans même nombre de vies, il y a un léger avantage pour Falcon, mais vraiment rien. Ouais, 46%, ça se remonte vite, c'est Smash Bros. Ouais. Ça se retourne. Oh, reverse à le père. Oh là, avec le petit moonwalk qui est là. Ce petit moonwalk là qui s'est glissé entre les deux uppers, c'était sexy. Ah, le nez qui touche pas, c'est dommage. Oh, Falcon qui est un petit peu en position de faiblesse. La get up. Et ça retourne sur le terrain de la terre, sur la cour de récréation de Falcon, j'ai envie de dire, tu vois. Là, ça grappe. Non, oh, dommage. Ah, on sent encore une fois, ça loupe le tech chase. Oh, allez. Je sais pas s'il a visé la falaise, mais en tout cas. Bah, généralement, peu importe ce que tu fais, parce que même si tu te loupes, si le mec il a pas mis de chip, tu le touches, ou de toute façon, s'il jump, tu passes derrière. Donc, du coup, ça cancel ton truc et t'es disponible à nouveau. Cette transformation, je trouve qu'elle est plus que bénéfique pour Falcon. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je sais pas, je suis en Falcon, je sais pas trop, mais je pense qu'il y a moyen de se faire grave plaisir. Ouais. Oh, c'était bien pensé. C'est génial, t'as vu. C'est une cour de récréation, ce machin. C'est. Allez, on est à la dernière vie là. Ouais. Chaque joueur peut l'emporter. Et Erwan peut nous refaire la même que tout à l'heure et remonter en un rien de temps. Ouais, qui... Oh, petit réflexe shield. On a senti qu'Erwan il a eu l'instinct animal, tu vois. Il s'est dit, je sens quelque chose de mauvais en bas, je vais passer par en haut. Il a fait, ouais, j'ai bien fait. Exactement. Oh, l'aspirateur. Ah, dommage, bien joué. Bakker qui passe pas. Deuxième Bakker, non. Oh là là. Oh là là. Oh, ça suit. Oh, 2000XX. C'est le tech case là. Il y a moyen de kill avec ça, mais. Oh, il y a moyen. Oh, dommage. Oh non, il est trop bien. Oh, dommage. Oh, le faux espoir. Erwan qui regagne ce deuxième match. Que d'émotion. Erwan qui est à un match de gagner le. Ouais, qui est à un match de. Bracket amateur. Ouais. De gagner ce bracket amateur. Ça revient sur Yoshi Story, je pense qu'il a bien senti. Et pour l'instant, c'est Erwan. Ouh. Erwan a l'air de retourner un peu, il se concentre en fait, il tente pas des trucs vraiment flashy comme GRM, tu vois, mais au moins ses actions, tu vois, elles sont un peu plus défensives par moment et voilà, plus réfléchies. Oh, le troll. Ah, là, tu l'as vu la petite troll face qu'il y avait sur Rendal à ce moment? Ouais, tu l'as vu toi aussi, Chloup, tu l'as vu la petite troll face qu'il y avait sur Rendal là, ouais. Ah, regarde, tu souris, ouais, tu l'as vu aussi. Ah, dommage, j'ai cru qu'il allait le cueillir. Ouais, dommage. Ouh, petit esquive là. Ah, Bakker, petit enchaînement de petit là. Ouh, ça lâche plus la petite combo à la verticale. Oh là là. Falcon complètement dedans. Ouais, il se sent plus pissé, tu vois. Il a dit, allez, j'enchaîne. Falcon qui a tendance à faire pas mal de tech sur place aussi, qui se fait facilement punir aussi. Oh là là. Quel dommage. Allez, faut que Jérém se ressaisisse. Voilà, rien n'est joué encore. De toute façon, sur ce terrain. Encore 2 vies, ça suffit. Avec 2 vies, tu peux en enlever 4. Voilà, tu. Oh, bah, c'est le genre de choses qui arrive. Un peu de fair play. On va dire que c'était un honor stock, voilà. Falco qui est retombé, c'est dommage. Enfin, c'est pas plus mal, sinon il se serait fait bouffer par le son de Falcon. Ouais, je pense aussi. Je pense que c'était bénéfique pour lui de tomber. Des fois, c'est pas plus mal. Pareil, des fois, il vaut mieux pas t'équier quand tu. Ouh. Est-ce que. Oh. Ouais, non, c'était un peu osé quand même. Il était pas trop en position de faire ça. Falco avait la bonne distance pour le punir s'il revenait en aérial, donc ouais, c'était pas la meilleure des choses à faire. Et du coup, là, c'est la dernière vie pour Jérém. Faut y aller, faut balancer, faut mettre les genoux, faut le graber, faut pas le lâcher. Faut mettre les couilles sur la table, tout ça. Voilà, exactement. Un son. Oh, dommage. Oh là là. Vas-y, fais-nous gueuler. Oh oui. Oh, ouais. Oh là là. Mais c'est sur demande, c'est magique, quoi. Allez, tu nous en fais encore deux comme ça. Voilà, un premier qui passe. Un deuxième. Ouh. Oh, Rendal. Oh, oh, dommage. Oh, oh, Rendal. Oh, il avait mis du lubrifiant sur sa tête, Rendal. Oh là là. Oh là là. Oh, dommage.
C'était quand même des beaux matchs, vachement serrés. T'as gagné, du coup. T'as gagné, ouais, GG. Très très beau match du bracket amateur, honnêtement. Enfin, c'est dommage pour la fin. Pour la fin, il y avait pas mal de petits suicides, il y avait pas mal d'actions couillues, mais bon, si c'est des trucs comme ça qu'on peut voir, enfin, c'est. Ça fait plaisir. J'ai l'impression qu'ils veulent pas s'arrêter là. Ouais, j'ai l'impression qu'ils veulent pas s'arrêter là non plus. Mais que se passe-t-il Qu'est-ce qu'il y a? C'est. Vous refaites le dernier match? Ça est fini? Bah, c'est la place à la grande finale du coup. Hein? Non? Ouais. Donc, du coup, je coupe et je vous dis à tout de suite donc pour la grande finale de ce top 8.